La pleine lune qui a lieu sous le signe zodiacal du taureau chaque année est d'une extrême importance. Parce qu'en cette période, le Bouddha et le Christ unissent leurs forces pour produire une libération d'énergie spirituelle suffisamment puissante pour changer les affaires du monde. Pour autant que l'humanité capte cette énergie et la transmette. L'humanité doit donc remplir son rôle de transmetteur et permettre cette transmission pour que le changement puisse avoir lieu. La Vesak est donc la descente et la bénédiction des énergies bouddhiques alliées avec les énergies christiques. Le Bouddha et le Christ viennent ensemble bénir la Terre et toute l'humanité chaque année, coopérant afin de provoquer de la part de la famille humaine une réceptivité à l'égard d'un influx possible de forces spirituelles qui puissent servir à détourner le courant actuel de détresse, de dépression, d'incertitude et inaugurer ainsi une ère de paix et de culture de l'âme pour provoquer une vie spirituelle renouvelée. Il est temps de se préparer aux énergies qui sont disponibles seulement à ce moment-là. Lors de cette fête, l'humanité, qui joue un rôle de transmetteur de lumière, d'énergie et de puissance spirituelle vis-à-vis des règnes subhumains, et qui constitue un canal de communication entre ce qui est en haut et ce qui est en bas, pourra justement, lors de cette configuration, se lier au divin pour aider la planète et l'humanité à monter son niveau vibratoire. Si le travail nécessaire est accompli lors de la fête du Vesak, si la grande invocation est correctement utilisée par des centaines de milliers de personnes en même temps, cela pourrait instaurer une nouvelle et meilleure civilisation, et les ajustements nécessaires dans le monde pourront être faits. Ceci pourrait se faire si rapidement que les changements nécessaires se feraient presque du jour au lendemain. La philosophie chinoise ne dit-elle pas « l'énergie suit la pensée » C'est donc possible. Ceci rejoint l'approche de la vie selon Ho'oponopono, c'est-à-dire, de manière simplifiée, ce que je pense, je le crée. Si les mots de la grande invocation sont énoncés avec force, en comprenant leur signification, et avec l'appui de toute la force du mental et du cœur, ils peuvent se révéler d'une puissance incroyable dans la vie de celui qui les prononce. L'effet en sera ressenti dans son environnement et le fait que sur toute la planète des groupements de personnes se réunissent pour méditer dans le même sens va accentuer l'effet dans le monde. En cette période, il y aura aussi de très grandes émanations de la Lune. Vénus aussi aura un rôle très important au niveau de la conscience de l'amour et aussi de votre créativité dans la beauté, c'est-à-dire que vous arrivez à concevoir davantage la beauté. Les deux journées avant cette fête sont des journées de préparation et sont connues en tant que journées de renonciation et de détachement. Pendant ces deux jours, j'essaie de maintenir une attitude de consécration et de service, et j'essaie d'adopter une attitude de réceptivité vis-à-vis de ce que mon âme me communique. Le jour de la pleine lune, le jour du Vesak, est la journée de sauvegarde. Je tente de me maintenir fermement dans la lumière. Je ne dis pas ce qui adviendra et je ne cherche ni les résultats ni les effets tangibles. Je m'abandonne aux énergies. J'essaie de prendre un petit peu plus conscience du divin en moi. Je fais l'unité totale entre moi et l'extérieur, c'est-à-dire entre la matière physique qui m'entoure et la matière spirituelle et divine. J'essaie aussi de faire l'unité avec tout l'univers, comme si je me considérais simplement comme un récipiendaire ou une gardienne de la quantité la plus grande que je puisse conserver de cet influx de force spirituelle qui est distribué et qui me parvient. J'essaie de contacter, contenir et garder cette force pour le reste de l'humanité. Pas besoin de grands mots, pas besoin de grandes phrases. Il me suffit simplement d'ouvrir mon cœur, d'être en réception de ce que l'univers déposera en moi. Je dois considérer la fête elle-même comme un jour de silence, passé à penser à l'humanité et à ses besoins. Pendant cette période, deux pensées seulement retiendront mon attention constante, les besoins de mes semblables et la nécessité de fournir un canal de groupe par lequel les forces spirituelles peuvent être déversées à travers le corps de l'humanité. Qui que je sois, où que je sois,
quelle que soit la nature de mon milieu, quel que soit l'isolement que je ressens. Je sais que chacun de nous, ce jour-là, et pendant les périodes le précédent et le suivant immédiatement, peut travailler, penser et agir en formation de groupe et fonctionner en tant que distributeur silencieux de force. Que les forces de lumière apportent l'illumination à l'humanité. Que l'esprit de paix s'étende en tout lieu. Que partout les hommes de bonne volonté se rencontrent dans un esprit de collaboration. Que le pardon de la part de tous les hommes soit la note clé de cette époque. Que la force assiste les efforts des grands êtres. Qu'il en soit ainsi et aidez-nous à faire notre part. Les deux jours suivants sont les journées de distribution. Pendant ces deux jours, j'emploie mes efforts à transmettre cette mesure d'énergie spirituelle que j'ai pu contacter. Ainsi, on pourra changer le cours des affaires du monde au moyen d'une augmentation de l'esprit d'amour et de bonne volonté dans le monde au cours de cette fête. Ce n'est pas de religion dont je parle ici, mais de spiritualité. La spiritualité est une floraison étonnante. Elle a de l'insolence, du charme, et toujours imprévue, ne se possède pas. Elle est un printemps hors saison qui pousse dans nos cœurs et qui ne dure qu'un temps. Et ce n'est pas grave. Le passage en nous de quelque chose de spirituel, le sentiment d'être pleinement vivant, nous permet de traverser la nuit du monde. Et le monde et la nuit, c'est aujourd'hui à peu près la même chose. Il ne se passe pas de jour sans que l'on voit des dizaines d'étoiles tomber par terre. La spiritualité permet de traverser tout ça et de continuer. Mais toute définition est un enterrement de première classe. Je préfère évoquer la spiritualité en parlant de confiance, cet étrange sentiment grâce auquel je sais que les moments d'enfermement ou de désespoir, que je connais comme tout le monde, sont temporaires et qu'autre chose arrivera ensuite. L'enfer sur Terre est monotone et normé, un endroit assez conventionnel. Le paradis est tout sauf convenu. Tout y est sans arrêt nouveau. Chaque instant est aujourd'hui vécu comme étant le dernier. La vie est un trésor que nous gâchons. Si on regarde ce qui est autour de nous, de plus fragile, de plus banal, nous pouvons y voir quelque chose d'illuminant. Les mères le savent bien. Quand l'une d'entre elles se penche sur le berceau de son tout petit en train de dormir, elle est une géante qui veille sur la course des étoiles. Et comme toutes les étoiles, ces choses-là, qui ne sont petites qu'en apparence, sont le meilleur de l'existence. N'oublions pas, les étoiles ne reflètent que notre propre lumière. C'est la vraie trace de la vie en nous. Tous ensemble, on peut avoir une vie harmonieuse. Il suffit seulement de faire les bons choix. Alors toi, qui écoutes aujourd'hui, entends ta petite voix, celle qui te murmure tes aspirations profondes, tes vérités, ta réalité. Et sois présent pour elle comme tu aurais souhaité qu'on le soit quand tu n'étais qu'un petit enfant. Exauce-toi, soulève tes peurs, et tel le héros de ton cœur, brave-les avec amour et courage pour vivre, vibrer, exister, rayonner, te réaliser.